Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 28 novembre 2019 qui se poursuit, 19h06, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais il semblerait que la musique fait produire aussi plus de lait aux vaches. La Russie équipe ses vaches de casques VR pour produire plus de lait. Et si la réalité virtuelle pouvait permettre d'augmenter la production des vaches laitières en améliorant leur humeur? Pour le vérifier, des fermiers de la région de Moscou en Russie ont mené une expérience en équipant leur bétail de casques VR. Les vaches sont des êtres sensibles, tout comme nous. Lorsque l'hiver revient, la déprime s'installe dans l'esprit de ces ruminants et leur productivité s'en trouve atténuée. C'est la raison pour laquelle certains éleveurs tentent de leur remonter le moral, par exemple en diffusant de la musique classique. Il est en effet prouvé qu'une atmosphère apaisante augmente la production laitière. Il est en effet prouvé qu'une atmosphère apaisante augmente la production laitière, notamment par des études néerlandaises et écossaises. Les fermiers de la région de Moscou, de leur côté, ont décidé d'aller encore plus loin en équipant leurs vaches laitières de casques de réalité virtuelle. L'objectif de l'expérience, menée dans une ferme de Krasnogorsk, au nord-ouest de Moscou, est de vérifier si les vaches produisent davantage de lait lorsqu'elles sont immergées dans un environnement virtuel serein et agréable. La Russie a créé une simulation de pâturage ensoleillé pour rendre les vaches plus heureuse. Pour ce faire, les agriculteurs se sont associés avec des vétérinaires et des développeurs de logiciels afin de créer une simulation de pâturage en plein été lorsque le soleil brille et que les oiseaux chantent. Cet environnement visuel a été créé en s'appuyant sur la recherche scientifique dans le domaine de la vision des bovins. Dès le début de l'expérience, les experts ont pu constater une réduction de l'anxiété et une amélioration générale de l'humeur émotionnelle au sein du troupeau. C'est du moins ce qu'affirme l'administration agricole régionale. Tout comme le VR permet aux humains de lutter contre la dépression ou de surmonter leur phobie, elle pourrait donc permettre aux autres mammifères de se défendre et de changer d'humeur, Au-delà de l'aspect insolite de cette expérience qui peut prêter à sourire ou à pleurer, il pourrait donc s'agir d'une avancée importante pour les vétérinaires et d'un nouveau cas d'usage pour la réalité virtuelle médicale. La deuxième phase de l'expérience aura pour but d'évaluer la production laitière des vaches portant un casque VR afin de vérifier l'impact du dispositif. Si les résultats sont encourageants, l'expérience pourra se poursuivre à l'échelle nationale. Alors, la prochaine fois que vous faites un tour en Russie, ne soyez pas surpris si les vaches, dans les pâturages, sont équipées du dernier casque VR. Ben, on aura tout vu, mais on n'a pas encore tout vu.